Quand c'est Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative en version originale. Aujourd'hui, Jérôme Baltaz, autrement dit, Baltaz. Rencontre très humaine, naturelle, à la vision lucide, optimiste et directe, assez engagée, rebondissant de bonheur, les moments simples en percussion, ondulation, caresse et partage, voici Baltaz. 1, 2, 3, 4 Au cul, reprends, c'est du poulet. Orage dedans, éclair où t'es caché sous les remparts de tes archers fichés. Tu te poses en animal blessé, comme une tortue torturée. Qui jamais ne se soignera. Société bien pensante a le nombril au bout des doigts. Tu ferais la loi. Mon pote, on le saurait. Tes yeux plus gros, regarde où je me les mets. Éteins le feu, pluriel et singulier, sous les costards de tes aides financières. Tu te poses en animal blessé, comme une tortue torturée. Qui jamais ne se soignera. Société bien pensante a le nombril au bout des doigts. La 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 la. Société bien pensante à le nombril au bout des doigts. Tu te poses en animal blessé, comme une tortue torturée. Qui jamais ne se soignera. Société bien pensante à le nombril au bout des doigts. La 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 la. Nous écoutions ombilicalement votre, interprété par Baltaz. Bonsoir, bonjour, ici Baltaz, et je suis en direct de la cave du Café Maltais, petit lieu à Vence, très sympathique, où j'ai été accueilli très très bien, ainsi que mon collègue Franck-Henri aux percussions, par une petite planche de fromage très très bonne, et donc on s'apprête à œuvrer, à faire un concert d'un certain temps, car on ne sait jamais combien de temps on va jouer, vu que j'ai souvent tendance à dire que je ne fais pas de la chanson française, mais de la chanson française. C'est-à-dire que les morceaux ont des débuts, des fins, des breaks, des ponts, mais parfois peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce qu'elles étaient prévues de durer. Donc voilà, ce soir nous allons jouer ici à Vence, et on va avoir trois autres dates derrière, dans votre belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne suis pas
invisible, un image, je suis l'eau. Je ne suis pas tes faux. Invisible, un image, je suis l'eau. Chien dans un trou, en dessous de vous, ne nous voyez pas. Où habitons-nous? En dessous de vous, vous ne voyez pas. Notre monde est impur. C'est tout, nous mangeons vos ordures. Je ne suis pas des beaux. Invisible, animal, je suis l'eau. Je ne suis pas des beaux. Invisible, animal, je suis l'eau. Caché sous vos pieds, je suis discret, le bruit de vos pas. Vous travaillez, nous qui sommes prêts, mais vous êtes là, votre monde. Tout est tout, nous finissons du lait. Ne passe pas par quatre chemins. Hier, aujourd'hui et demain, nous vivons tous deux ensemble. Un sépare et tu trembles. Nos deux mondes se regardent, l'un en méfiance et l'autre sur ses gardes. Je ne suis des beaux, invisible, l'animal, je suis l'eau. Je ne suis pas des beaux, invisible, l'animal, je suis l'eau. C'était Baltaz, invisible animal. Tout est plutôt formaté, enfin voilà, c'est une question de formatage. Moi je m'en fous complètement. Si j'ai envie de faire un morceau de 12 minutes, je fais un morceau de 12 minutes. Si j'ai envie de faire un morceau de 13 secondes, je fais un morceau de 13 secondes. Évidemment, ça passe pas dans ces tuyaux-là, c'est pas très grave. Il n'empêche que il faut rendre aussi cette liberté aux artistes parce qu'il y a l'observation. Il faut pas dénigrer leur sens de l'observation. Et dans la transe, dans ce que j'appelle moi la transe, mais qui ne l'est pas vraiment, parce que bon, comme je disais, on fait des morceaux de 20 à 25 minutes, des fois moins, des fois plus. Mais je peux inclure là-dedans même des fois des reprises. Je peux balancer du Jacques Brel en plein milieu d'un truc qui sonne très africain. Mais c'est pas encore. C'est une façon juste de vouloir faire danser, en fait, de ramener l'oralité. Je n'écris pas mes chansons. Pour moi, c'est de la phonétique. Je les écris pour pouvoir les retenir. Mais les chansons sur un papier écrites, comme si, comme t'as un bouquin de Brassens et que tu lis tous les textes de Brassens. Oui, c'est très bien. Vas-y, lis les textes de Brassens. Sauf que il les a écrits pour qu'elles soient chantées. C'est phonétique. Et ça, c'est la poésie de la chanson. Voilà. Si on écrit des poèmes, oui, peut-être qu'on. Et encore, les poèmes sont faits pour être déclamés aussi. Mais je ne crois pas, moi, à cette chanson imposée, écrite, à ce format de musique. Voilà. J'aime beaucoup la phonétique. J'aime beaucoup la langue française qu'elle nous propose et ce qu'elle nous impose aussi parfois. Et donc voilà, pour moi c'est important de retourner sur une oralité, quoi. L'oralité notamment de nos campagnes. Noël, quand tu es arrivé tout à l'heure, tu m'as un peu, toi, décrit ton parcours très rapidement par rapport à ton prénom. Eh bien, je pense que dans les campagnes, il y a quand même, si on écoute les anciens, il y a une oralité, il y a quelque chose. Et des fois, c'est un langage, c'est une langue propre à un territoire. Des fois, en faisant un kilomètre, on ne va pas retrouver les mêmes mots. Je sais que j'étais très touché il n'y a pas longtemps du côté de... c'est à Montluçon. Il y a un musée qui a ouvert qui s'appelle le MUSEM, je crois. Peut-être que je dis des bêtises, regardez les sources, mais et dedans ils ont retrouvé des chants du médiévaux, des campagnes.
et c'est extraordinaire. Musicalement, rythmiquement, c'est incroyable. Je veux dire, la France, elle a aussi une tradition chantée, une tradition orale qu'on a perdue avec... avec un espèce d'élitisme. Tes cheveux doux, mes cheveux fous. Douce prairie. Sous tes bras jusqu'au océan, ne calme pas le volcan. À la jouissance que l'on se doit, puis de senteurs auxquelles je bois. La fougue de tes râles, mon arrogance, ligne de mire que je te sens. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Abricot, mon bandit, à leurs effluves que l'on se dit, la toison sous mes doigts, jeune diamant, l'œil d'un roi, décadent, aime-moi. Aime-moi, 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 aime-moi. Je coule en toi, tu coules en moi. Sirop de corps sur pli de drap. De nos amants tourbillons tombe de soir dans ce lagon. Et je serpente quand tu t'offrandes, glisse le long des peaux de jambes. La chaleur de nos ventres à l'unisson, dès lors que chante dans ta maison. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Nous écoutions Baltaz interpréter Aime-moi, un extrait du disque Invisible Animal.
Donc sur scène, je m'accompagne à la contrebasse et je chante. Francor est aux percussions et Mehdi à la guitare électrique. Bon là, il est pas avec nous, comme je le disais tout à l'heure, mais la contrebasse, ça m'est venu il y a pas longtemps. Hein. Je m'y suis mis il y a un an. Deux mois plus tard, je faisais mon premier concert et j'ai travaillé 6 à 7 heures par jour l'instrument par passion. Par passion et parce que je trouvais que c'était un instrument qui m'a amené, qui a plein d'ouvertures en fait. Ça peut être très percussif, ça peut être très mélodieux, ça peut être évidemment ça assied la basse, donc ça assied. Enfin non, justement, ça met debout les gens, ça les donne envie de danser, ça leur donne envie de danser la plupart du temps. Mais pour moi, la musique, avant tout, effectivement, ce sont des émotions, avant tout. Et ça passe par le fait de jouer, 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 jouer et jouer, toujours jouer, jouer. S'amuser à jouer. Qu'on sache pas, qu'on commence la guitare, qu'on sache pas jouer un do par exemple parce que ça fait mal au doigt. Bah oui, ça fait mal au doigt, mais joue ce do, laisse-le, joue-le. De toute façon, c'est lui qui va te guider à un moment donné. La musique va nous guider, donc c'est ces émotions-là que je recherche dans la musique. C'est-à-dire se laisser emmener dans quelque chose qui nous est beaucoup plus puissant que nous-mêmes. Voilà, la musique est plus forte que nous. Je dis souvent ça, mais c'est vrai, n'est-ce pas, Franck Henry? Ouais. Ça, c'est dit souvent ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est en équipe, c'est parce qu'il dit toujours oui quand je dis. Ah, n'est-ce pas, Franck Henry? Hein? Voilà. Ça marche pas à tous les coups. De m'avoir, là. C'est ça. Il y a comme de l'entourloupe dans l'air. Yeah! Ces quatre murs de béton, il y avait beaucoup trop de laisse béton, vu qu'à l'époque c'était le tube et que nos maisons c'était des cubes. On castagnait pour des baskets, on transpirait sous nos casquettes, on cajolait au fond de nos draps les filles du coin qu'il n'y avait pas. On était pauvres, mais faut pas le dire, il y en a quand on joue pour leur avenir. Fils d'ouvriers aux mains trop sales, toujours en grève et asocial, pour nous calmer dans nos conneries. Le marchand de glace et sa sonnerie, paraît que l'argent jamais ne se jette, nous on le récupérait des fenêtres. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens. Un peu plus tard, on s'usait le cul sur des bancs où il avait plu. Quand on se disait « nique ta mère », c'était tout sauf une phrase vulgaire. Notre enfance est géographique, partout que t'ailles, faut qu'elle rapplique sur les épaules. Ça laisse des traces, y'en a qu'aux appelés, ça la poisse. Fallait qu'on perde notre accent, le banlieusard, c'est pas chantant. Surtout quand tu cherches du boulot, ou que tu joues le damoiseau. Ceux qui brillaient, on s'en tapait, on tapait tout ce qui brillait. Pardon madame, si ça vous choque, mais c'est toujours les mêmes qui en croquent. D'images couvrant la ville étouffée de gens. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens. Alors on arpentait Paname et c'est l'alcool plutôt que les femmes qui nous gravitaient tout autour à l'époque des premières amours. La poésie, on aimait ça, ouvrir un livre, mais ça va pas. La nôtre sentait la bagarre, le shit, la bière, le trottoir. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens. Un milliard d'images couvrant la ville étouffée de gens.
Balthaz, un milliard d'images. À la base, je jouais de la guitare, beaucoup. Je jouais de tout ce qui était des luttes, en fait. C'est-à-dire du mandol algérien, du banjo, guitare, électrique, guitare... Mais bizarrement, je sais pas... Je suis assez fort rythmiquement, mais voilà, au niveau des solis, j'étais pas forcément très volubile, quoi. Depuis que je me suis mis à la contrebasse, d'ailleurs, ça s'est ouvert, ça, de l'autre côté. C'est-à-dire que, d'un seul coup, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui quand je prends une guitare. Mais non, je pense que de toute façon, il faut du lâcher prise dans tout. Il n'est pas rare. Et d'ailleurs, depuis un an qu'on tourne ensemble avec Franck Henry, je cite beaucoup son prénom, mais j'aime beaucoup cet homme, voyez-vous. C'est un sacré bonhomme. Il est aux toilettes, je crois, non? Et donc, depuis qu'on tourne depuis un an, c'est pas rare que j'écrive des morceaux sur la route, en jouant. Juste en partant dans une improvisation, et ça rime très souvent. Et en fait, ça m'amène à des idées, à demain, et puis hop, j'écris ensuite derrière. Voilà. C'est ce que je disais. Un certain sens de l'oralité, quoi. Je parle beaucoup. J'aime bien parler avec les gens. J'adore écouter aussi. Pour moi, c'est essentiel. On n'est rien sans l'autre, finalement. Montre tes dents acérées, une bouche grande ouverte vers le ciel, une sorte de réponse pour pas rester. La guêpe sur ton pot de miel, des mousses de nuages redessinent les contours, des buses s'amusent et tournent en rond. Au pied de ces montagnes, le souffle d'un chant d'amour, je deviens bise, je tourne en rond. Tu vas me manquer. Le soleil cogne, le fumier sèche sur ma peau d'urbain en mal de craquelu. Je ne t'écris pas, les mots me lèchent et mon cœur doucement soigne ses brûlures. Je suis un lac pour quelque temps encore. Désir et colère sont enfin désarmés par manque d'iode ou de safran de l'or. Je deviens fou d'avoir aimé si vrai. Tu vas me manquer. Ou pas. Tu vas me manquer. Ou pas. Je ne cherche plus midi. Midi vient. Il se peut que qui. J'ai faim, j'ai soif, je revis, je reviens. Tout a bougé en 3 minutes, serein, je suis ici. Tu vas me manquer. On écoutait « Tu vas me manquer » de Balthaz, un extrait d'Invisible Animal. En fait, j'ai mis longtemps avant de sortir ce premier album, parce que je voulais pas faire d'album.
J'ai eu la chance, donc il y a 24 ans, on s'est rencontrés donc avec Franck Henry. Et on s'est rencontrés il y a 24 ans, et puis il jouait des percussions. Et je lui ai dit, vas-y, apprends-moi. Il m'a dit, non, je suis pas pédagogue. Je lui ai dit, bah, je dois faire quoi? Il me dit, t'achètes une percu et tu me suis. Bon, bah, j'ai acheté une percu, je l'ai suivi. Et puis ça a duré comme ça 2 ans, 3 ans. Et puis je l'ai tellement suivi qu'en fait, finalement, j'ai pris le virus. Et puis après, j'ai intégré un groupe de funk, jazz, plutôt de jazz, de reprise de jazz au départ, qui s'est transformé en groupe de funk. Et puis après, on a tourné un peu comme ça en Europe. On était 10 sur la route, c'était un gros machin. Et puis, bon, bah voilà, la famille rattrapant, tout ça, j'ai eu un enfant, donc je me suis remis à travailler. Et puis ensuite, j'ai monté un projet avec un copain de plutôt de chansons qui s'appelait Dechko à l'époque, donc c'était en 2004. On a sorti un album, et puis ça commençait à plutôt bien marcher, et puis voilà, ça s'est un peu arrêté comme ça en autre boudin. Mais j'ai toujours eu l'envie de faire de la musique, ça a toujours été fort en moi. Mais ensuite, j'ai pas voulu faire, je voulais pas faire d'album, je voulais pas. Je trouvais ça, justement, il y avait un côté, je me disais, ouais, faire un disque. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve aujourd'hui, je trimballe un carton de CD avec moi, c'est dérisoire. Même, je veux dire, pour un artiste, on nous demande de faire un album, enfin, on nous demande de faire un album, c'est-à-dire que même les institutions, pour payer les droits d'auteur et tout ça machin, nous demande de faire un album physique, un CD, mais plus personne veut du CD, je veux dire, n'importe qui shop sur internet. Bon, faut il y a c'est pas un métier, enfin c'est pas le métier quand on fait ça, c'est pas le métier, c'est autre chose. Voilà, bon, j'ai fait cet album parce que j'ai rencontré un gars qui m'a dit, j'ai du matériel chez moi, j'enregistre un peu, viens, on y va. Et j'ai accepté, et ça m'a causé beaucoup de soucis, je vous le cache pas. J'ai mis 3 ans ou 4 ans à le sortir, alors qu'il était vite prêt. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait le jeu des institutions et tout ça machin, en prenant mon temps et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un piège. Donc voilà, donc là je suis en train de faire un deuxième album. Concept sur lequel je joue tous les instruments. Je l'enregistre moi-même. Je suis en phase de mix en ce moment. Et donc je compte bien, pour le coup, je compte bien le faire produire, histoire qu'il ait une diffusion, une vie qui soit un petit peu plus ample que celui-là, qui quand même me fait travailler, l'air de rien, et puis qui est diffusé en radio et tout. Mais je crois que le métier, et moi il y a quelque chose dans le métier où je me dis ça a réinventé, c'est comme si on était toujours dans les années 50, quoi. Je veux dire, même là quand on regarde sur les festivals, je vais leur mettre un pic dans les dents, mais ils parlent tous de Brel, Brassens ou Ferré, quoi. Je veux dire, là le week-end dernier il y avait un festival en Bretagne que j'aime beaucoup, j'adore les gens qui sont là-bas, j'y suis pas allé cette année, c'est des copains qui y sont allés qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est vrai qu'à tous les coins de rue les gens m'ont demandé de jouer La Vie en Rose d'Edith Piaf, mais lâchez-nous avec ça, quoi. Lâchez-nous. Il s'est passé déjà encore plein de trucs entre temps, et si on les réinvente pas, si on sort pas ces choses du répertoire qui sont importantes, hein, attention, hein, je dis pas que c'est pas important, mais à un moment donné, waouh, c'est fatigant, c'est usant, ces concours. À un moment, ils ont tué l'accordéon là dans les années 70. Parce qu'ils faisaient des concours d'accordéon, voilà. Concours de vitesse d'accordéon, super. Et alors, c'est quoi, pignoler sur les boutons, vous êtes content de vous? Et la musique là-dedans, elle est où? Elle est nulle part, la musique, en fait. Elle est juste. Et moi, je me souviens entendre des vieux, quand je suis môme, me dire, oh là là, lui, qu'est-ce qu'il va vite et machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu sais, il est où le sentiment? C'est quoi ta musique? C'est quoi ta musique? Ton émotion, elle est où? Donc voilà. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, moi, je travaille avec des enfants, enfin certains publics, même des gens en situation de handicap, dans des ateliers d'écriture, dans la musique, tout ça, dans ma région là où j'habite à Aubervilliers. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, les gamins, et ça c'est un bien pour c'est quand même un bien, ils ont pas peur du métronome, par exemple. Aujourd'hui, le métronome, il a toute sa place. Pourquoi? Parce que toute la musique d'aujourd'hui, elle est calibrée, elle est faite avec des machines. Donc, il n'y a plus d'erreur de musiciens. C'est que des machines. Et bien, leur oreille, à eux, pour le coup, quand on joue d'un instrument, il faut qu'on soit carré, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc, je trouve ça bien, moi. Je trouve ça intéressant. Ça nous met la barre à nous, les musiciens, un endroit où, vas-y, joue. Mais joue pour de vrai. Travaille ton instrument et puis sois carré, quoi.
parce que les machines nous ont rattrapé avec ça. Et les gosses d'aujourd'hui ont cette oreille-là. C'est pour ça que ils ont du mal à se déplacer dans des concerts acoustiques et tout. Tu vois, c'est vraiment une des raisons fortes. Tu vois, c'est que pour eux, il faut que ce soit carré. Il faut qu'il y ait de la dynamique, de la pression acoustique, du bam. Il faut que ça envoie des machines. Voilà, c'est ça. Bon. La machine ne remplacera jamais l'homme, hein. Enfin en tout cas pas avant très longtemps. Il n'empêche que voilà, bon, en tout cas c'est ce que je disais, je suis en train de faire ce deuxième disque auquel quand il sera sorti, je souhaite une longue vie, il s'intitule Kebab. Non, il s'intitule Quatre Chemins, comme l'endroit où j'habite, à Aubervilliers. Kebab, c'est un des titres qui sera issu de cet album Quatre Chemins. Ces ombres qui dessinent la nuit, de sombres entachés là par hasard, un genre de bleu pas tout à fait noir. Ciel comme un graphe au pinceau, une onde au milieu d'un verre d'eau, ces couleurs qui en jettent et s'enivrent. De ces enrhumés sur le qui-vive, du haut de mon perchoir vide, j'inspire, j'admire et je ris, mes yeux pleins de sommeil. Stylo en éveil, coule l'encre sur le papier, trace des chemins empruntés. Ce poème qui un soir me dit tout, ne sert à rien demain, mais je m'en fous. Du haut de mon perchoir vide, j'inspire, j'admire et je ris, mes yeux pleins de sommeil. Stylo en éveil. Le jour se lève d'une nuit sans rêve. Je n'aime le jour.
Les Monts Perchoirs de Balthaz. Qui vient s'appelle Quatre Chemins, c'est parce que je me trouve absolument à la croisée de mon propre chemin, et qu'effectivement la direction que je vais prendre, ça va être celle qui va m'être donnée finalement par ce nouveau disque auquel vraiment je tiens énormément, hein. C'est-à-dire que il y a dedans j'ai vraiment joué tous les instruments. J'invite des copains qui viennent, j'ai invité une amie au violoncelle sur un titre, j'ai invité Benjamin au saxophone baryton qui jouait avec moi il y a quelques années, mais qui est parti sur d'autres chemins, d'autres routes, mais qui est là sur l'album et qui joue sur deux titres. Mais il n'empêche que ce disque concept, finalement, j'y tiens énormément. C'est lui qui va m'emmener vers d'autres chemins, vers d'autres aventures, et surtout qu'elles soient humaines. Je souhaite vraiment, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de l'éducation nationale qui s'inquiétait quant à la psychomotricité de nos enfants, qui disait qu'au même âge, en 20 ans de temps, les enfants ne savent plus dessiner pareil. Très certainement. Mais moi, pour être au cœur du problème quand je travaille avec des enfants de mes quartiers, je dis... Il y a une scission, il y a une réelle scission des générations qui se sont faites. Moi, à mon âge aujourd'hui, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est les suivre, sans les juger, sans essayer de trop les juger, d'être là quand ils se retournent, savoir si s'ils ont besoin d'un sage qui leur sourit, bah, je serai là, tu vois. Je suis pas forcément un très bon donneur de conseils. En tout cas, les nouvelles générations, il y a une réelle scission qui s'est faite à l'ère du numérique, à l'ère des jeux vidéo. Ils ont des capacités cognitives qui sont extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Oui, effectivement, ils connaissent très certainement pas les mêmes choses que nous, mais il faut pas croire qu'ils connaissent moins de trucs. Je pense que c'est même plutôt l'inverse. Ils sont assez extraordinairement volubiles sur des sujets que moi-même j'aurais jamais abordé à l'âge de 5-6 ans. Tu peux me croire, vraiment, j'ai eu des enfants qui m'ont vraiment étonné. J'étais là, comment il peut connaître un truc pareil? Mais bon, ils en parlent somme toute. Mais ils ont cette capacité de silence que nous on n'avait pas forcément, de concentration, et ça c'est les écrans qui les absorbent, mais c'est aussi une capacité de concentration. Je veux bien entendre tous les discours alarmistes des gens de ma génération ou des générations d'après, ou même de ceux qui sont dans la trentaine, mais une génération est une génération. Je pense qu'il faut respecter les enfants comme ils sont, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des excès, c'est ça qui est le plus à craindre finalement, mais je pense qu'on a réellement une scission. Pour revenir un peu à cet album que je suis en train de faire, je ne connaissais pas le logiciel dont je me sers jusqu'à il y a 2 ans. Je me suis mis dedans, mais tête baissée, et vraiment plusieurs heures par jour. Et puis je me suis rendu compte que l'outil, il est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il y a dedans, j'ai même pas fini d'en faire le tour, et j'en aurais peut-être jamais fini d'en faire le tour. Voilà, ça c'est des outils que nos enfants peuvent manipuler comme ça à l'âge de 5 ans, 6 ans. Je pense que tu mets n'importe quel gamin sur le logiciel de son que j'utilise, ça lui prend 10 fois moins de temps pour le maîtriser, et ça veut dire qu'il a ça dans les mains, quoi. Et ça, je voilà, c'est ça. Je pense que je faisais la blague l'autre jour, je disais, je donnais cette image, je disais, moi je suis un peu comme le saumon qui frétille à contre-courant. Ouais, c'est ça. J'essaye de rester dans l'axe des jeunes générations, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, même si évidemment ils me cachent, puisque j'ai pas leur âge. Mais je suis passionné par ça. Je suis passionné par savoir où va l'humanité. Et puis jusqu'au jour où je serai sur ma montagne, au bord de mon feu, avec mon bout de bois, qui sera ma contrebasse pour le coup. Et juste à attendre que le soleil se couche. Waouh, conclusion. Sous la pluie, les trottoirs sont dégueulasses, et sous l'eau quitte les lieux crasses, dans le Brooklyn de mes nuits.
Brooklyn de mes nuits, enfoncé dans un taxi. Partout je cherche ta trace. C'est insensé. Vers Van Gogh whisky, où s'entrechoque la glace. Le Brooklyn de mes nuits. Le Brooklyn de mes nuits, allongé sur le tapis. Liang encore bien vivace, Harvest repasse et repasse dans les Brooklyn de mes nuits. C'est insensé. Baltaz.
Faire connaissance. Faire connaissance, c'est le credo de Cénoël sur Agora Côte d'Azur et on espère que vous ayez fait connaissance le mieux possible et surtout le plus simplement possible avec Baltaz et avec d'autres artistes bientôt. Cénoël sur Agora Côte d'Azur, c'est une page Facebook. Si on tape sur Monsieur Google, vous allez trouver des podcasts, vous allez trouver des liens YouTube. Et on va finir doucement avec un dernier morceau de Baltaz. De ce voyage, j'observais autour la vie sauvage, les plantes, les oiseaux, les rochers.